Ce matin encore, il y en a qui n'ont pas attendu le chant du coq pour se mettre à pied d'œuvre. Ceux-là sont les habitués du marché de Fumbot. La ville, calme à l'aurore, devient de plus en plus brillante. Le vombrissement des engins, conjugué aux paroles entre clients et marchands à la rue Mondiale, trahit la vitalité de la belle ville de Fumbot. De Fumbot d'abord est une commune qui a été créée le 27 novembre 1959 et entrée en fonction en 1960. Ça a une superficie de 3870 km² environ. Ça avait une population de 138 970 habitants. C'est ça la commune de Fumbot qui vit essentiellement de l'agriculture et de l'élevage et du commerce. L'arrondissement de Fumbot et ses terres arables, fruit d'une activité volcanique récente, attire beaucoup de monde. Dans l'espace public, plusieurs ethnies se côtoient, s'en heurtent. Il y a d'abord les Bamoun autochtones. En plus de Bamoun autochtones, nous avons presque les Bamileke, les Banso, les Douala, les Yaoundé, les Mbororo. On peut le résumer que dans tous les 58 départements du Cameroun et aussi tous les arrondissements du Cameroun avec leurs différents villages se trouvent dans l'arrondissement de Fumbot. Parce que nous, souvent, nous avons l'habitude de leur dire sans risque de tromper que nous sommes une commune riche. Parce que chaque fois que nous voulons la culture d'un village, dans un département, nous n'allons plus chercher chez eux. On a ça directement à Fumbot. Et c'est de tout ça que vous trouvez. Et au-delà des populations camerounaises, il y a les pays de la sous-région et au-delà de la sous-région qui vivent dans la Cameroun de Fumbot. Fumbot est encore appelé ici Cameroun en miniature. Dans l'espace urbain, la pluralité des croyances est matérialisée par les édifices. Nous avons les musulmans en grande majorité. Il y a l'église, les protestants, comme on les appelle. Il y a les catholiques, voire d'autres églises comme les Baptist Church, les Presbyterian Church. Il y en a comme ça. Nous avons ça dans la ville de Fumbot. Et ils vivent en symbiose parfaite. Et puis, vous voyez à Fumbot, avant même l'arrivée de tous, les Bamoun étaient d'abord un. Et après, le christianisme est arrivé, le musulman est arrivé. Il n'y a aucune famille dans le Noun où il n'y a que des musulmans, où il n'y a que des chrétiens. Il ne se passe aucune famille où il n'y a des musulmans et des chrétiens. Depuis la nuit du temps, on le vit comme ça. Je vais vous surprendre. Quand un chrétien construit, d'abord la première chose qu'il met chez lui, c'est un bouilloire pour faire les ablutions et une natte de prière. Parce qu'il sait que sa famille viendra le rendre visite, il sera musulman. Il n'ira pas chercher le bouilloire ni la natte de prière ailleurs pour faire sa prière. Tel aussi, contrairement chez les musulmans, lorsqu'il est à sa maison, il sait qu'il y a la chambre de son frère chrétien, peut-être avec sa Bible là-bas, parce que quand il va venir, le soir ou la nuit, il va faire sa prière là-bas. Les confessions chrétiennes et musulmanes comptent le plus grand nombre de fidèles. L'islam à Fumbot est très ancré dans les mœurs. La cérémonie de fin de la formation à la lecture du Coran est un événement particulier.
Les candidats y viennent accompagnés de leur fan club, des membres de la famille et des amis aussi. Au terme de chaque passage pour le test de la maîtrise du Coran, c'est la grande effervescence. Certains élèves de l'école coranique nous font part des bienfaits de l'institution. J'ai fait plus de 2 ans à l'école islamique et j'ai appris beaucoup de choses. Comme par exemple, j'ai commencé par l'alphabet islamique. L'islam cultive beaucoup de choses comme les valeurs comme l'amour, la paix, le vivre ensemble. Je suis à l'école coranique depuis 2 ans. J'ai appris beaucoup de choses à l'école coranique. Suratul Bakaratin et Falaki et Nancy. J'aimerais souhaiter que les autres jeunes filles ou les jeunes garçons soient heureux avec nous. Les réjouissances se poursuivent au domicile des meilleurs élèves. La grande mobilisation témoigne de la place qu'occupe la religion à Foumbot, instrument de paix, d'unité et du vivre ensemble. L'islam, promoteur des valeurs de la paix, c'est bien au-delà des mots, une réalité palpable. À Foumbot, qui du fait de ses terres fertiles a vu sa population doubler depuis la situation devenue difficile dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Sadatou Abdoulaye est de l'ethnie Bororo. Arrivée à Foumbot il y a quelques années, elle a connu une intégration facile. Elle est depuis la mandature de 2020 le premier adjoint au maire de Foumbot. Bon, je vis comme chez moi. Foumbot est une ville hospitalière. Il n'y a pas d'hasard dans la vie et ils nous ont montré qu'ils sont avec tous les Camerounais. On ne doit pas être bamoum pour être parmi eux. Là où je suis en train de vous parler, la majorité des déplacés ont déjà leur maison même. Parce que les terrains ont été offerts par les chefs de village. Sinon, s'il n'y avait pas de démocratie, je ne devais pas être premier adjoint au maire. Et les déplacés, pas seulement les déplacés, tout le territoire, toutes les étendues du territoire sont contentes parce que c'est du jamais vu. Je peux vous dire, l'avenir du Cameroun se retrouve à Foumbot. Puisque Foumbot, c'est Foumbot qui nourrit tout le Cameroun et les autres pays, comme le Gabon, comme la Guinée, beaucoup de pays. Foumbot, c'est une ville là où on doit vraiment investir. Puisque Foumbot a la grâce. Foumbot a un don en terre. Et vous savez, aujourd'hui, s'il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de vie. Oui, Foumbot, vraiment, c'est une ville. Il faut bien réfléchir. Là où venir se placer, là où on sait qu'on va dormir, on va boire, on va manger, on n'a pas de problème, qu'on n'est pas bamoun, on doit être bamoun. Non, ici, il n'y a pas ça. Ici, on nous est bien reçus. Là, maintenant, on est les enfants de ce localité. Dans cette mosaïque culturelle, les Haoussa du Nord Cameroun brillent par leur présence et surtout par leurs initiatives. Depuis que nous sommes ici, dans la ville, nous sommes tellement heureux. On se sent vraiment chez nous. C'est l'association de jeunes Haoussa et Foubé, les associations du Grand Nord, qui est ici actuellement. Et au nombre de membres que nous sommes là, on est peut-être à 150 membres. On mange tout bien ici, on mange tout. Le mbou, pain, yapcha, tout, etc. Le kana, le tout traditionnel. La jeunesse Haoussa de Foumbot mène plusieurs activités
en collaboration avec les jeunes trouvés sur place. Nous vivons en harmonie avec les autres communautés, que ce soit les Bamileke, les Fulfulbe, etc., les Yaoundé. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons accepté d'accompagner nos frères du Grand Nord. Donc, pour vous dire que nous nous sentons en tant que leaders de jeunes de Fumbot de vivre en harmonie. Et nous vivons en harmonie parce que nous disons toujours à nos frères qui sont à Fumbot que vous êtes chez vous. Parce que partout où le Camerounais est, il est chez lui. Donc voilà, et nous vivons en harmonie et nous mangeons, comme on dit souvent, c'est le vivre ensemble, mais manger ensemble aussi, plus mieux. Donc nous mangeons ensemble à Fumbot. C'est pour ça que vous voyez que Fumbot est toujours en paix. Parce que ce soit Bamileke, Aoussa, ceci, nous sommes des frères. Fumbot est l'unité nationale. Lorsque vous arrivez ici, si vous tombez le matin, vous n'allez pas faire une heure dans sans rencontrer votre village là. Quelqu'un de votre qui va vous recevoir. Donc ça c'est et les gens ont l'égalité des chances de vivre. Ailleurs, vous comprenez des choses, on dit l'autochtone, et puis tout le monde est autochtone à Fumbot. À Fumbot, la devise est connue, on y vient pour quelque temps et on finit par s'y installer pour toujours. La raison, l'hospitalité légendaire des populations, mais aussi le potentiel agricole de la contrée. Vraiment, Dieu est merveilleux, sachant que Fumbot devait être une terre d'accueil, afin de cette terre. Une terre fertile. Sa fertilité fait que les gens vivent sans problème. Et il y a une culture où vous allez trouver toutes les cultures. Ça n'a pas de race de culture qu'on va faire à Fumbot et d'autres qu'on ne peut pas faire. Vous trouvez ici les cultures vivrières, les cultures maraîchères, les cultures de rente. Tout ça, c'est cultivé à Fumbot. Le marché de Fumbot est le point de départ des cargaisons de vivres frais et des denrées alimentaires qui inondent les marchés de la sous-région. Nous sommes dans le vieux frère, on achète un peu de partout, haricots verts, poivrons, concombres. Je viens ici parce que bon, on n'en manque pas de tout, on a un peu de tout ici là. Quand j'achète, c'est pour Douala, Yaoundé, Gabon, Guinée, il y a des étrangers. Avant, ils venaient beaucoup, mais ils ne viennent plus comme avant. Parce que, bon, ils nous disent que la vie est chère. Bon, eux aussi, ça ne passe pas. Comment ça se passe bien, le piment? Quand on achète dans les sacs, les petits sacs, longs sacs, ceux qui partent à Baganté, à Douala et peut-être dans les petits villages dans Fumbot. Mais ceux qui viennent aussi ravitailler dans Fumbot, c'est les petits quartiers, les petits villages qui viennent ravitailler dans le sac. Et si tu arrives ici, à 6 heures, tu n'auras pas la marchandise, il faut être ici peut-être à 4 heures. C'est 4h30. Et quand les femmes mettent comme ça, là, comme vous voyez, mais là, il y a souvent, nous, on achète à 5 000, 8 000, mais aujourd'hui, c'est 7 000, 6 000. Et quand ils mettent ça, c'est 500. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de marchandises. Et il y a un moment où on met que 2 tas à 500 ou 3 tas. Au champ, tu peux avoir ton panier. Arrivant au calibre, à ton style. Tu arrives au marché, si on arrive au marché à 6 000, tu vas en taper à 8 000. Vous avez compris, non? Bon, pour le problème, maintenant, c'est là. C'est pour le jardinier. Hein? On va vendre à 5 500. C'est pas pour le champ. Donc ça, quand on met bien les herbes, ça ne rend plus. On va à 5 000, 8 000. Des fois, tu arrives au champ, tu vois le jardin, tu achètes à lui, même à 4 500. Tu peux le transformer à 300. C'est là à 4 800.
tu les vends à 8 500. Il y a même des gens qui ont fait des matins. Il y a les gens du Bassin qui viennent acheter cela. Quand les gens de Douala qui viennent acheter cela, les gens de Yaoundé viennent acheter cela. Les gens de Kiosi viennent acheter cela pour voyager avec. Fumban viennent acheter cela pour voyager avec. Ça dépend. Kiosi veut des mimi. Gros mimi. Ou pas de gros mimi. Il peut arriver au champ, il achète moi 8 000. Et toi-même, tu peux pas te voyager avec lui. Parce que lui-même, il voyage pour Gabon. Vous avez compris, non? Il peut arriver au champ, il achète à 8 000. Toi-même, tu peux pas acheter comme lui. Vous avez compris, non? C'est comme ça là. C'est pas le même prix. Il fait le tomate, donc on m'en va. Il fait le marché à Mbongo. Non, c'est bien. N'est pas trop cher. Non, j'ai trouvé le marché très bien. Parce qu'on travaille tout ici. Il y a le piment, le condiment, la tomate et le patate, tout. La production de la tomate à Foumbot sera bientôt industrielle. L'usine de transformation de la tomate est bien visible. Cette usine suscite beaucoup d'espoir quant à l'emploi des jeunes. Ça, c'est d'abord le choix. Parce que d'abord, non seulement Foumbot n'attend pas seulement l'ouverture de la SCAN, mais veut d'autres unités agroalimentaires. Parce que ce que nous avons de problème, c'est le problème de transformation. Si on avait déjà des unités de transformation à Foumbot, on serait quand même une ville riche parmi les autres villes du Cameroun. Et nous le disons comme ça, c'est pas pour pleurnicher, c'est parce que les populations elles-mêmes, elles ont cette volonté, cette force. Mais comme la plus forte relève de l'État, qui est le fondateur, qui est celui-là, qui doit amener tout, qui doit propulser l'économie et a les facilités de faire les machines. C'est pour ça que pour les populations de Foumbot, il ne reste qu'à l'État de les venir au secours en faisant de Foumbot, en créant des unités de transformation de produits vivriers, maraîchers et tous les produits que nous avons. En attendant que les machines de l'usine soient actionnées, les jeunes de Foumbot continuent de faire profit de la vente des produits des champs. Dame Adamou s'est lancée dans le business des avocats il y a seulement quelques années avec un capital de 30 000 francs CFA. Chômage, je suis vraiment inspiré dans ce domaine. Mais comme le président nous l'a dit, le président a dit que tout un chacun essaye de porter une pierre à l'édifice du changement de notre pays. Donc c'est aussi ça qui m'a inspiré à exercer dans ce domaine. Depuis un an, nourrir aussi les membres de la famille avec le peu de gains qu'on trouve. Je peux expédier environ 10 colis, voire plus. L'avocat produit à Foumbot se consomme partout. Le circuit est bien organisé, du jardinier au Bayam Salam, en passant par les transporteurs. On est venu qu'on a transporté, c'est les avocats, donc vous voyez dans les demi-sacs. Les clients sont là, ils achètent. Nous sommes des chauffeurs, on transporte. Ils prennent leur car, ils avancent à Yaoundé, il y a les déchargeurs qui réceptionnent, ils vendent. Après le déchargement, nous rentrons. C'est la marque. Tu as plutôt marqué AS. Je sais, maman, je sais. Même à l'étranger. Il y a les transports. Et donc, tu as les dans le domaine, tu peux le faire. Il y a les marques. Chacun a ses insignes sur les sacs. S'il y a 300 sacs,
et que chacun a 10 morceaux de ça, les 10 morceaux de ça ont son insigne. Oui. Et on décharge, tous les déchargeurs sont à Yaoundé, maîtrisent leur déchargement et leur pouvoir de vente à Founi. On va faire le chauffeur qui ouvre. Alors la nuit commence, ça se passe ici. Les voitures sont là, ils ont déjà engagé les véhicules pour porter les avocats. Parce qu'il y a des chargeurs qui est organisé avec d'un chef chargeur accompagné du syndicat et de la mairie. Ils prennent les voitures, ils ne se dérangent plus pour les voitures. Chaque jour du marché dont nous sommes aujourd'hui, nous levons, on vient directement ici, sans plus les appeler, ils ne nous appellent pas, ils ne s'inquiètent même plus. C'est quand il y a absence ou problème de panne qu'on les avise pour chercher une autre voiture et les envoyer. Il y a les avocats de Kiosi, il y a Kousseri. Oui, donc d'ici 14h, vous avez constaté là derrière le chargement de Kiosi. On commence à charger dans les paniers. Nous, on va charger dans les sacs. De peur que ça va mûrir avant l'arrivée. Et Kiosi, ça traverse. Il y a les voitures qui sont réceptionnées, traversent à Libreville, en Guinée. On peut quitter ici à 18h. On passe toute la nuit à rouler. On arrive, non, oui, le lendemain, à 9h-10h. Le problème qu'on trouve, c'est de pas souvent du mésentente des chargeurs, des clients, et surtout quand il y a panne, soit au pont Bastoul, ça nous fait beaucoup de problèmes. Quand c'est des trucs qui sont réglés parfois, tu arrives, on dit que tu es tombé au pont Bastoul, avec le même chargement que tu charges pour traverser le pont Bastoul de Mélan. Tu peux arriver vers la sortie, on dit que tu es tombé, il y a 80 000. Ça nous crée trop de problèmes. Les patrons nous réclament de l'argent parce que nous avions beaucoup de difficultés au niveau paysage. Quand on arrive au niveau du paysage, il y a des jours que nous on paye les 130 000. Parce que le même chargement, on ne déborde jamais le chargement. On sait que le devant là, ça prend 30. Au niveau du haut, c'est 48. Deux rangées. Mais quand on arrive là-bas, il y a des jours qu'on passe sans problème. Des jours qu'on arrive, on tombe au pont bascule, 40, 50 000. Le marché de Foumbo, très sollicité le mardi et le dimanche, aux premières heures de la matinée, se fait à l'air libre, au grand désarroi de certains commerçants. Nous, on a beaucoup de doléances ici, là. Là où nous sommes, pour que nous travaillons ici, on a trop de peine. Tellement de peine. La lumière, nous n'en avons pas. Les toilettes, nous n'en avons pas. Nous n'en avons pas. Un bandit sort là-bas, il te met même le couteau dans le ventre. Tu ne peux pas le voir. Parce que nous travaillons dans la nuit. Le matin, comme ça, on est à tout. La majorité des gens sont à partir. Bientôt, ces plaintes ne seront plus qu'un lointain souvenir. La mairie de la ville est en train de construire un nouveau espace marchand ayant toutes les commodités d'un établissement ouvert au public. La commune propère ici, juste quand les chargeurs appellent les camions, il vient porter. Quand un camion porte, on lui donne le ticket. Au péage, on lui demande ça, il montre et passe. Foumbo déjà, comme d'autres villes du Cameroun, est déjà une ville de paix, où les gens vivent en paix, où tout le monde se bat, parce que chacun va à ses occupations. Nous disons aux autres populations du Cameroun de copier les armes de Foumbo. Que ce soit, il n'y a pas de guerre tribale ici, ni les guerres des religions ici. Et tout ce que les gens ne pensent, ils ne pensent qu'à leur développement. Vous savez, la richesse vient de son frère. Quand vous avez quelqu'un à côté de vous et que vous êtes ensemble, il a ce que vous n'avez pas, vous avez ce qu'il n'a pas, vous vous complétez et ça fait la richesse. Une belle réalisation qui va davantage contribuer à faire de Foumbo une ville cosmopolite où les Camerounais de tous les horizons trouvent ensemble des motifs d'épanouissement dans la faveur de l'unité nationale.